Toujours Red Bull. Donc le bullshit, évidemment, de Max. J'ai vu que de l'extérieur, les gens essayaient essentiellement de raconter que du bullshit, parce que je pense que l'ambiance dans l'équipe est très bonne, chacun sait exactement quel est son rôle. Bien sûr, nous avons vécu des moments tristes l'année dernière lorsque Didier est décédé, mais nous essayons de conserver cet héritage, de continuer à le faire avancer, et toutes les personnes que nous avons actuellement dans l'équipe sont très importantes pour le succès que nous connaissons. C'est pourquoi il n'y a pas non plus de changement pour l'avenir. Je pense que ça explique en gros tout. Ouais, bon après, Marco, il reste pas éternel, même s'il n'y a pas de désaccord, le mec est quand même vieux, hein. Donc il va pas mourir dans le paddock de Red Bull non plus, au bout d'un moment il va falloir qu'il prenne sa retraite. Hein. Et là tu vas faire quoi Max? Tu vas quitter Red Bull parce qu'il est plus là? Ton Marco chéri? Bon, affaire à suivre. Hein. Alors après, est-ce que certains médias s'amusent à inventer des histoires pour faire du clic aussi? Je sais pas, peut-être. Ou alors ils amplifient le truc, peut-être qu'il y a eu des désaccords, mais c'est des désaccords vraiment marginaux quoi. Ça se règle assez vite au final. Quel est votre avis là-dessus?